bordel. Putain couet. Je viens de parler à un pote, il avait une haleine de chiottes. Et c'est pas les chiottes de ta mère. Je te parle de celle en plastique de foire dégueulasse. Celle où tu en sors, et tu ne seras plus jamais le même. Mais c'est pas possible pour avoir une haleine de merde ainsi, il a bouffé 12 kilos d'oignons. Ah, fais bien, j'en ai bouffé 16. Ferme ta gueule. Il a sucé une crotte. Il s'est brossé les dents avec un balai chiottes. En fait, sa femme, elle s'est pas barrée, elle est morte de ça. Et dans la vie, ça va t'arriver souvent de croiser des gens comme ça. Déjà à l'enfance, t'avais tes grands-parents. Oui, c'est pas grave, mon enfant. Mamie a de la moustache. Mais viens sur mes genoux, viens. Et y'a ton frère qui boit la bouteille quand c'est la dernière. Et il laisse plein de sous-marins. Et il m'a jamais dit qu'il travaillait pour les Russes. Et un peu plus tard, y'a l'école. Tu vois le type qui est assis à côté de toi en classe avec plein de mayonnaise sur les dents, alors que tu l'as jamais vu manger des frites. Et en plus, le con, il te parle. Pendant tout le cours, j'en avais perdu mes sourcils. Et le prof qui t'explique un exercice à 5 cm de ton visage. Tout ce que t'espères, c'est vite trouver la bonne réponse. Je crois que la réponse, c'est 24. Oui, oui, mais non, vous vous trompez. En fait, la vraie réponse, c'est la racine carrée de l'hippopotamus de mon cus sur la racine carrée de ma queue. Et ça change pas plus tard, t'as ton patron. Et il pue de la gueule, c'est la 12e fois qu'il me parle aujourd'hui. Ouais, écoute, Philippe, ça fait la 8e fois que t'as apporté une caisse au rayon B. Moi, je t'ai dit que c'était le rayon... ça avec les clients. Excusez-moi. Oui. Oui, en fait, je trouve pas la table numéro 65. Ce qui est affreux, c'est quand tu te prends un postillon. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais un renseignement parce que c'est pas où j'ai mis mes affaires. Je sais pas si j'ai rangé. Ah, mais ta gueule. Et ce qui est dégueulasse aussi, c'est quand tu dors avec quelqu'un qui pue de la gueule. Et un truc qui trompe pas pour la laine pourrie, c'est les chicots de merde! Chicots de merde, avec la laine qui va avec, tu dois te laver, oh, tes petites dents, la lilala, tu dois te laver, oh, tes petites dents, tu pues la merde. Alors vas-y, tag un pote sur la vidéo, pour lui faire croire qu'il pue de la gueule. Et ceux qui puent de la gueule, pour vous suicider, c'est simple. Chico de merde, c'était bidi bidi doudadadab.